des Quills Lake dans le Saskatchewan. C'est une des plus grandes zones d'hivernage du centre du Canada pour les oiseaux migrateurs. Un lac absolument immense. Fume gaz. Kill them, guys! Yes! Yeah! Début de la chasse au Saskatchewan. On met les formes de nuit. Les peaux sont placées. Les decoys, les appos sont placés. Il y a 110 oies ici. That's actually the last one. Okay, shoot him, guys. Shoot him. C'est énorme ces oies là. Énorme. Kill them, guys. Yes. Hey, good kill. Yeah, you call them very, very well. Awesome. Ah. Y a les chiens. This was coming. That's an old bird. It's an old one. That's an old one. Yes! Oh putain! Impressionnant! Great shot! Ouais. Ouais. Shoot and shoot! I didn't even react, you know? You're the man! Yeah! You're the man! Phenomenal! This one. Le poste là, enfin, on enjambe les oies. Voilà le poste. Voilà là-dedans. Hein. On est protégé du vent. J'ai 14 là. J'ai tué 14 oies. Voilà, le guide est allé en chercher une qui était tombée très loin, blessée. Bon, il a soif. Great! Yes, good! Great job, man! Allez, viens petit! Allez, viens petit! Allez, viens petit! Good dog! 15 oies! Il est seulement 9h du matin.
superbe chasse du matin à seconde journée. Il fait moins 5 ce matin, on est seulement début septembre. Tous les decoys sont en place. It's a female mallard. It's a drake. It's just not there eclipsed, so it doesn't have its. Is there some? Touch it up. Nope, pintail. Pintail, yeah? Yep. Ah, voilà. Like pilette, yes. They just don't have their good plumes, their good feathers yet. They molted. Like the winter feather, yeah. Les canards arrivent en grande bande. Ça arrive encore. You gotta shoot him now. Touch it up. That was on, but. Well, those are ducks. Get ready, get ready. Get them. Get him. Touch it up. Pintail again, guys. Only shoot one. Shoot the bottom. Damn it. No more. Yes. Right on. So it's the last chance, maybe, yeah? Perfect. Oui, superbes oies et des vols de canards aussi. Plusieurs vols de canards. Ah, c'est levé du jour. Début de la troisième journée aux oies. Oh, elles sont très très basses. Oh, ouais. Oh, shoot them. Ah, ouais, speckabilly, voilà. Voilà, speckabilly. C'est une autre variété. Belle. Une autre variété. Shoot it. Wow, it's too. Shoot him. Great shot. Well done. Amazing shot. Yeah. Awesome, man. Was far. A bit far, yes. A bit far.
Yeah, shit. Shoot him, guys. Oh, putain. Canada geese and speck of belly. Two. Espèce. Très belle chasse ce matin. 16 oies du Canada et un speckbelly, c'est une autre oie. Et les decoys là. Un dernier après-midi de chasse, on va essayer les snow geese, les oies des neiges. C'est un peu le début de la saison, mais on sait jamais. Donc Thomas m'a mis les formes, la blanche, pour les oies des neiges. Yes, 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 yes. Snowgy, oie des neiges et oie bleues. Elles ont mis presque une heure à venir. J'ai tué les trois. Putain, elles étaient... Et elles levaient la tête, tu sais. Voilà. Blue geese. Ouais, yes, oie des neiges. Putain. Voilà, une première oie des neiges. Qu'est-ce qu'elles sont belles! Ah, le triplé coucher du soleil. Oie des neiges, la snowgy, et ça c'est la bluegy. Elles sont toujours ensemble. Elles sont toujours ensemble. Donc deux blues, deux oies bleues et une snow. Elles viennent de la toundra, de l'extrême nord. Détail des oiseaux là. Avant qu'il fasse sombre. Superbe. Voilà, le plumage très bleu, là, le miroir bleu. C'est la conclusion de ce séjour dans le Saskatchewan, au bord des Queen Lakes.